C'est le Dauntless. Le vaisseau qu'on a secouru sur Fondor, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il livre son chargement, il transportait tous ses satellites. Le Moffret a dit qu'ils étaient nécessaires pour l'opération Cendre. Mais il a refusé de nous donner la cible. Oui, tout comme l'amiral. Je sais pourquoi maintenant. Les satellites sont alignés, chef. Bien, excellent. Je ne vous ai pas appelé, commandant Versio. Est-ce que Vardo, c'est notre cible? Oui, effectivement. Pourquoi? La planète et tous ses habitants, ils sont loyaux envers l'Empire. Ce sont les ordres de l'Empereur. Nous devons purger cette planète ainsi que plusieurs autres afin de répandre la peur et de rappeler à la galaxie tout entière qui commande. Il s'agit de notre foyer. C'est l'Empire, notre foyer, tu m'entends? Et nous nous en tiendrons aux ordres de l'Empereur. Je refuse d'obéir aux ordres d'un homme mort. Peut-être, mais en attendant, c'est à moi que tu obéis. Activez les satellites immédiatement. Mettez-vous en route pour Vardos immédiatement et récupérez la tutélaire Kleb. C'est votre seul et unique objectif pour l'instant. Ce sera tout. Voilà. Ce sera tout. Contactez l'agent Ask sur le Corvus et dites-lui que je dois lui parler au plus vite. L'air Kleb se trouve aux archives. Suivez-moi. Vous vous souvenez de la direction à suivre, commandant? Je n'oublie pas si facilement, agent. Cette tempête n'est pas naturelle. Je n'ai jamais rien vu de tel. La population doit être terrifiée. Ce n'est que le début. Quand les gens sauront ce que nous avons fait ici, la terreur se répandra dans toute la galaxie. Je suis simplement surpris qu'on n'évacue pas les civils. Les pertes civiles sont... Embarquées. Vous avez reçu l'autorisation des nôtres, les civils sont des nôtres. C'est un monde impérial. Un lieu que nous sommes censés protéger. Commandant Versio, où est-il? La tempête est trop forte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je doute qu'on puisse faire quoi que ce soit. Force spéciale, laissez passer. Nous sommes vraiment ici pour une seule personne? Les civils sont en danger de mort. Nous avons également mis nos soldats en danger. Ils évacueront quand on leur en donnera l'ordre. Leur courage face à la tempête montre de la discipline. Mais Kleb, elle, a droit à une évacuation anticipée? Kleb supervise l'école de formation des futurs chefs impériaux. Elle crée des soldats efficaces et loyaux. Comme Iten. Pour moi.
Maintenant, elle nous demande un service. Les habitants de Vardos sont fidèles à l'Empire. Pourquoi devrions-nous les laisser souffrir? Tout ça, c'est pour le bien commun, commandant. Rien de tout ça ne me plaît. Vardos était notre foyer, Ask. C'est l'Empire, notre foyer. L'opération Cendre est un test pour prouver que nous sommes dignes de faire paralyser ce qu'il va devenir. Ça va enfin, c'est pas trop tôt. Une belle version. C'est toi, l'amiral en voie. Je savais que j'étais importante, mais de là à risquer la vie de sa fille. Cible récupérée, on y va, Gleb. Et en plus, elle me donne des ordres maintenant, c'est adorable. Wow, reculez. Viens avec moi. Les autres ont qu'à rester là, ils sont pas importants. Allez! Commandant! Il y a un vaisseau sur la plateforme 2. Vous y serez en sécurité, allez-y vite, courez! Wow, qu'est-ce que vous faites? Stop! Nous devons nous en tenir aux ordres. Ça suffit. Tout va bien, on vous emmène loin d'ici, en route. Non! Vous ne pouvez pas... Je suis votre commandant, je vous ordonne d'arrêter! Eden, nos ordres sont très clairs. On nous a demandé de récupérer la tutélaire Gleb et elle seule. Mais les choses ont changé. Regarde un peu autour de toi, enfin. Est-ce que c'est ça l'Empire qu'on a connu? Belle, je t'en prie, ne fais pas ça. Le rôle de l'Empire est de protéger les civils d'offensives telles que l'opération Cendre. Nous obéissons au Nouvel Empire. Si c'est ça, le Nouvel Empire, alors je refuse d'en faire partie. Je répondrai aux ordres de mon supérieur direct. Ce sont vos ordres. Est-ce que ce sont vos ordres? Parce que si c'est le cas, c'est une trahison! Est-ce que ce sont vos ordres? Oui. Et j'ai aussi les miens. Baisse ton arme. Ton indiscipline causera ta perte. Amiral Versio. Le commandant Versio et l'agent Nico ont abandonné la mission, ils ont trahi l'Empire. Je suis désolé. Je vois. Ramenez-moi Gleb, ceci est votre mission. Je m'occuperai personnellement des deux traîtres. Il y a un passage souterrain de l'autre côté de la place. C'est notre porte de sortie. Je suis avec vous, commandant. Ne tirez pas. S'ils nous repèrent, c'est trop dangereux. On doit se mettre à couvert. Ouvrez le feu! Piratage en cours. Il faut atteindre le Corvus et quitter l'espace impérial. C'est notre seule chance. C'est bien tenté. J'ai mis à pas trop le vaisseau en plein vol. Alors détruisons les canaux. Ça se présente très mal. Reprenez-vous, agent Miko. Sur le Corvus, il y a des civils qui comptent sur nous. Il n'a plus accès aux fréquences impériales. Le Corvus ne saura même pas qu'on arrive. On trouvera un moyen. Il venait des archives. Il devrait arriver dans l'instant. On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. Je vous suis.
Des vaisseaux qui s'enfuient. On n'est pas les seuls à vouloir se mettre en lieu sûr. Ouais. Par ici. Faites pas de bruit, nous passerons inaperçus. Entendu. Attendez mon signal. Droïde, pirate-moi ça. Les vols. Neutralisation, tout de suite. Le marcheur. Exactement. Et en détruisant les antennes de visée, nous désactiverons toutes les défenses AA du secteur. Scanne la zone. Voilà le marcheur. Les canons sont passés tout sans traverser les turbolasers antiaériens. Exactement. Et en détruisant les antennes de visée, nous désactiverons toutes les défenses AA du secteur.
impériales sont rétablies. Connectez-moi au corpus. Commandant, j'ai les civils que vous avez envoyés au vaisseau. Bien, verrouillez le corpus. L'agent Ask va envoyer des hommes pour le capturer. Oui, commandant. Je suis avec vous, quoi qu'il arrive. Faites attention à vous. Marcheur en vue! Je vois les canons antiaériens. Je m'en occupe. Mal à croire que l'amiral soit prêt à aller aussi loin. Il ne fait que suivre ses ordres. Ses ordres ne sont pas justes. Les nôtres ne l'étaient pas non plus. Nous devons emmener les civils loin de Vardos. Et ensuite? Il faut d'abord qu'on sorte de l'espace impérial. Ensuite, on élaborera un plan. Envoi d'électricité. Donnez vos positions. Je suis avec vous, commandant Versio. Éliminez
ça. On occupe. Scanne-moi ça. Analyse des menaces. Au rapport. Mission accomplie, amiral. Toutes mes félicitations, commandant. Bon.